Les amis, aujourd'hui il y a eu quelque chose de très intéressant sur le Twitter de la ville. Regardez cette photo qui a été publiée par un compte anonyme. Vous n'êtes pas les seuls à revendiquer le contrôle de cette ville, mais nous ne travaillons pas avec le LSPD, c'est-à-dire la police. Méfiez-vous citoyens, hashtag LSPD, hashtag balance, hashtag capitaine, hashtag trousse. Trousse, pas de trousse de crayon. Hein. En gros, on voit à travers la lunette d'un sniper, le capitaine ici présent, Madriga, avec quelqu'un de cagoulé ou pas. Bon, vous vous rappelez de la description de la voiture blanche sport qui pourrait soi-disant appartenir au black market? Ça correspond. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire peut-être que Madriga, en fait, connaît le chef du cartel. Enfin, qu'est-ce qui se passe, en fait, dans cette ville? Hein? Il faut nous dire ça, capitaine! Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Vous êtes de quel côté de la loi? Vous êtes le black market ou vous connaissez l'existence du black market? Est-ce que vous travaillez avec le black market? Dites-moi tout, capitaine! Et un autre truc qui a été posté par le même compte anonyme, Gringo. Ça, c'est le chapeau. Gringo, vous voulez me mettre des bâtons dans les roues? Bâtons avec DT, hein. Concernant mon business, vous dites que je travaille pour les LSPD? Étant donné que je sais qui sont les personnes présentes sur cette photo, je vais vous poser une question. Et là, c'est un message codé, crypté. Le message crypté voulait dire, auriez-vous des condoléances pour la mort de votre bien-aimé capitaine pour une poignée de pesos? C'est-à-dire que le mec, il nous incite à buter Madriga pour de l'argent? C'est parti. Bonjour Roger! Pistolet paralysant, ok, je l'ai au calme. Et j'avais un pote à moi, cette personne, elle a été braquée. Elle est venue directement raconter, mais je lui ai dit de ne pas me raconter. Sauf que les gangsters qui l'ont braqué, ils lui ont dit qu'il allait mourir. Ok, donc et il est mort. Ces mecs-là, c'est qui? T'as leur numéro? T'as leur nom? T'as leur visage? T'as quoi? Numéro, nom, prénom, j'ai tout. Bah voilà! On va soulever! On va soulever! James! En plus, c'est le nom que je déteste, ouais. Là! Les autres, je te l'ai déjà dit, les autres. Je sais pas, j'ai essayé de les contacter, ils sont restés dans l'autre ville. Je vais sur notre famille, donne-moi sur notre famille. Desmer. Jack Desmer. Voilà, hey James, moi je t'aimais bien. Voilà, j'ai plus de balles. Vous allez bien? Fais gaffe, il y a des flics derrière, c'est Marcus. Ah merde, ah ouais, mais c'est un véhicule volé. Oh merde, putain, mais ma couleur blonde, moi, il va l'avoir direct, frère. Les gars, on est baisé. Vas-y, harba. Courez, les frères, courez. Ça fait plus de 20 minutes que je suis là, monsieur menotté, vous m'avez toujours pas allumé droit. Vous me laissez partir ou comment ça se passe? Suivez-moi. Jibril, à bientôt, Inch'Allah, bébé. Merci bien. Bonne fin de soirée. Merci bien. Bon courage, les flics. Voilà, ok. Jibril, ils sont restés avec lui au calme, skin. Camille, du coup, le doc, vous le connaissez bien? Ça m'intéresserait, en fait, de passer de temps en temps des visites médicales, des check-ups, parce que je fais de la tension artérielle, en fait. À chaque fois qu'il est en ville, vous m'envoyez un petit message, vous me dites, voilà, il est en ville ce soir, si vous voulez faire un check-up, c'est le moment, quoi. Ouais, je peux faire ça, ouais. Faut qu'on le soulève, le doc. Putain, je suis encore devant les flics, mais c'est un truc de ouf. Ok, capitaine Madriga, qu'est-ce que vous nous cachez, hein? Bon, les amis, il y a beaucoup de choses, là, qui vont se passer normalement aujourd'hui. Il y a Papy, vous rappelez Papy, le clown? Enfin, pas le clown qui avait le maquillage sur sa gueule là, qui n'est pas mort, voilà, qui a survécu à sa mort. Bon, il m'a dit qu'il voulait me poser des questions. Alors je sais pas de quoi il voulait me parler, tu vois. Ben on va voir hein, de quoi il voulait me parler. Il y a Hawk qui m'a dit comme quoi Doc voulait lui parler. Il y a beaucoup trop de choses, il y a vraiment beaucoup trop de choses. Alors attendez, les messages. Jibril, j'ai un potentiel ripou chez les keufs. Ah bah mon vieux Hawk, pas de soucis frère, j'ai une chose à rencontrer. Je suis là. Peut-être que je change ma coiffure hein, parce que la plupart des gens m'ont vu avec cette coiffure là hier. Il y a aussi Doumbé qui est recherché par la police. Donc si on chope Doumbé, qui est le pote de Marcus, c'est Marcus, comment il s'appelle? C'est Marcus non? Marcus et Pinto sont les potes de Doumbé. Doumbé, celui qui était à la prison hier, qui se faisait tabasser à chaque fois, tu vois. Et bah lui en fait il est recherché par la police. Donc si on le ramène, on peut potentiellement avoir de l'argent de la part de la police. Donc pourquoi pas le ramener? Hein. Bah attends, on travaille pas gratuitement, ça va pas ou quoi? Malade. J'avais dit aussi à Camille. Camille Fleury de me tenir au courant si Doc était en ville. On va voir hein. Les flics là. Comment je cavale au calme? Allô? Ouais bébé, ça va ou quoi ma biche? Ça va toi ma biche? Bah ça va et toi tu fais où? Tu fais quoi là? T'es où? Bah écoute, là je suis à l'appartement, un autre plan comme d'hab. Ah, je suis en train de revoir vite fait la petite vidéo du skin Doucet, ça fait de la peine. Oh non, mais pourquoi à chaque fois tu te remémores les mauvais souvenirs comme ça? C'est pour te motiver? Non mais je vais pas te mentir, j'essaie de voir s'il y a pas des petits indices ou quoi toi dans la vidéo, des trucs qui pourraient nous aider. Ouais. Tout à l'heure, de toute façon je dois capter, enfin hier soir c'est toi qui m'a renversé, il m'a dit qu'il voulait me parler. Ça veut dire qu'il veut me parler mais il me renverse avant, tu vois, avec son véhicule. Je vois ça. Ouais, Jibril m'a raconté, tu l'avais raconté et tout, ouais. Du coup, Jibril, il est en ville ou pas, là? Sincèrement, je sais pas. Je vais pas te mentir, j'étais sur le canapé, là, je viens de me réveiller, tu vois. Moi, je me dirige vers le parking central, regarde. Vas-y, je suis à la planque et... Limite, venez ici, hein, ramène Jibril, venez à la planque, non? Vas-y, envoie ta position, j'arrive. Vas-y, tout de suite. Regarde, oui. On va à la planque. Celui qu'on appelle appartement Netflix. Vous connaissez appartement Netflix?
Ouais, doucement. Je vais appeler Camille. Bon, Camille qui est anciennement le personnage de Tyson Doucet, hein. Vous l'avez reconnu avec sa voix, tu vois. Hey, y'a Mireille. Oh là, y'a Mireille au calme. C'est la voiture du Pinto ou bien du Djibril? On sait pas, tu vois. Allô? Ouais, Camille. Oui, bonjour, monsieur Dick, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, vous allez bien? On s'est parlé hier soir, vous vous rappelez devant le Comico? Oui, je m'en souviens, ça va bien, vous? Ouais, ça va, vous êtes en service, là, ce soir? Bah écoutez, je viens d'arriver en ville, donc j'allais le prendre, oui, effectivement. D'accord, est-ce que vous rappelez de ce qu'on a discuté hier par rapport au Doc, si vous avez des infos sur lui, quand il est là, etc, etc? Écoutez, le doc apparemment, je vais voir s'il est là, mais apparemment, je sais pas s'il est là pour l'instant. Bah écoutez, dès qu'il arrive, vous m'envoyez un petit message, ok? Ok, ça marche, c'est pour votre check-up, hein, c'est ça? Hein. Exactement, un petit check-up, parce que je fais de l'attention, donc on sait jamais. D'accord, ça marche, et bah si je le croise, je lui dirai. D'accord, merci beaucoup, bisous. Bisous, bisous. Je vais d'abord me changer, voilà, je suis dégueulasse comme ça. Beau gosse, là on est plutôt beau gosse, là, voilà. Là on a tenu de beau gosse, là. Tac, on va aller chez le coiffeur, comme ça je vais faire peur à Hawk, il va dire ouais, c'est qui lui? Bonjour monsieur le coiffeur, ça va, vous allez bien? Bah écoutez, oui, c'est vrai que je suis venu hier, c'est vrai, mais bon, j'aime bien me faire quelques petites teintures, et j'ai le droit à merde alors! Ouais! Ah. Ça va ou quoi? Ça va, mon pote? Ça va? Ouais! Ouais. Tu me braques, frère! Mais c'était pour voir ta réaction, voilà. Ça va ou quoi? Ça va, tu me braques, ça va! Donc tu braques, ça va. Eh, c'était ta Mireille qui était au parking central? Non, c'était pas la mienne, voilà, elle était Ah, ouais, y a beaucoup de Mireille en ville, croyant, voilà, y'a beaucoup de Mireille. Ah ouais, le potentiel de Mireille, il est convoité, frère. T'es ouf. Elle est pas chère et tout. Mais c'est la meilleure. Voilà, ouais, vas-y. Il pas que la mienne, c'est la meilleure. Viens, on appart, frère. Il a fait wesh. Vas-y, eh, cagoule-toi. Vas-y. Police, bouge plus. What the fuck? Bouge plus. Non. Bouge plus. Oh, non, s'il vous plaît. Bouge plus, oh. Je t'ai dit. Bouge plus. Ça va, c'est nous, par tranquille. Contre, t'es un peu trop loin là. Ouais, tranquille. Non, mais c'était pour être réaliste, tu vois. Wesh, Hawk. Ah, c'est pour qui? Hawk. Hawk. Non, Hawk, par contre là, c'est pas normal. Wesh, Hawk, c'est trop long, non, c'est... Oh, Hawk. Putain. Mais, non, dans le clip, parce que... mais tu m'as fait peur. Ah, bah voilà. Ouais, désolé, wesh, c'est bon, désolé. Ah, t'as vu? Wesh. Désolé. Ah, ça fait 2 minutes, vous êtes revus, vous battez déjà. Putain, mec, il veut me frapper, il est malade. Ouais, deux en même temps. Ouais, bon, wesh. Ouais, mais c'est pas lui, Voilà, c'est pas lui, tranquille. Attendez, les gars, j'ai un message. Ah, je... Pour l'instant, pas de médecin en service désolé. Pour votre check-up. Bon, donc il est pas encore en ville. Hein. Ah, bah attends, je vais dire en même temps. Ça va, Hawk. Oh, voilà, je voulais juste te faire peur un peu, Roya. C'est parti en cacahuète, désolé. Putain. Ah, ouais. Mais oui, je me suis dit, ouais, d'où des gens ils connaissent notre. Bah, c'est notre pour ça. Tout ça pas... là, bah, ouais, ah, mais. Je me sentais baisé. Déjà, Djibril, il m'a suivi là. J'étais obligé de le braquer là. J'étais sur frère, les nerfs, tu veux sortir à 2:30 du magasin d'habits. Hein? Le mec, il est sorti à sprint du magasin d'habits, il m'a dit, je t'ai vu. Bah, je t'ai pas vu, moi, quand je suis sorti du magasin d'habits. Tout le monde t'a vu. Ah ouais? T'as vu, ouais. Putain, je t'ai vu rouler. Il faut que je revoie ça avec mes techniques de chakra. Oh. Je suis un ninja, ça. Je suis un ninja, moi. Tu as déverrouillé tes chakras? Non, merci, non. Ah mon dieu. Bon, oh, mon dieu. Alors, Hawk, attends. Tu sais, Djibril, qu'est-ce qu'il faisait, Hawk? Il allumait la télé et regardait la mort de Doucet au calme en rediffusion. Ah ouais? Ce mec là, Hawk là, il regardait la mort de Doucet au calme. Attends, je vais vérifier un petit truc. Vas-y, vérifie. Attends, ouais. Ça 36 secondes. Ça le fait kiffer de regarder des trucs comme ça. De haram. Hey, il a dit 30 secondes, frère. Tu crois qu'on a le time ou quoi, frère? T'as le temps de taser deux fois. T'es même ce qui est dans une vente. Ouais, c'est bon, putain, tranquille. Arrête, y'a pas de médecin. Mais tu m'as pris pour un Pokémon ou quoi? Mais frère, t'étais trop sexy, frère, dans ton coin, c'est tout. Mais tu quoi, 30 secondes, frère? Tant qu'on a le time ou quoi, là? Bon, c'est quoi le... Eh, les gars, Doumé, vous avez vu l'alerte? En tout cas, la recherche. Ton coiffeur, vraiment, machallah, tout ça. Ouais, je lui parle de Doumé, il me parle de mon coiffeur. Ah, tu veux que je te coupe ou quoi, là? Non, mais j'aime bien ta coupe. Vas-y, Doumé, tu vois. Je t'ai pas dit, oh, on est un ripouché, les fous, c'est bon. Sérieux? Vas-y, c'est quoi son numéro de téléphone? C'est quoi son numéro de téléphone? T'as demandé quoi? C'est l'autre, je l'avais dit à Brian. Vas-y, c'est quoi? Garde son numéro de téléphone. Ah, tu parles de. Comment il s'appelle le flic là que tu me dis? Yazid. Ah, monsieur, c'est le blédard là. J'ai pas les preuves. Ouais, le blédard, ouais. Et pourquoi si tu. Qu'est-ce qu'il commence à dire? Comment tu peux savoir que c'est un ripo? Bah, il m'a dit en fait, il devait mettre une amende
Il m'a dit, ouais, si tu me ramènes Doumé, ben je te mets pas d'amende. Non, mais attends. Ouais, c'est... après, ça, c'est parce que c'est une enquête. Ouais, c'est pas... écoute, Djibril. Là, on est rémunéré par les flics. On hein. a tout à gagner en fait. On est rémunéré par les flics. Hein. Il va augmenter ça. En fait, nous, en lui ramenant des fausses affaires ou des trucs comme ça, on va le faire monter en grade. Ouais, mais frère, attends. Le risque, Djibril, c'est qu'on passe pour des balances. Hein. Faire attention. Ah ouais, on est pas des poucaves. Les poucaves, ça meurt vite. On est des chasseurs de primes. On est des chasseurs de primes. Regardez ce qu'on fait. Doumé, on le soulève, on lui demande des informations, tout ce qu'il a, toutes les informations qu'il a sur n'importe quel sujet. Ouais. On les prend et après on le balance au cœur. Attends, c'est quoi, j'appelle Pinto, je vois si Pinto il est là. Parce que c'est son pote à Pinto. Comme ça vous savez, on a envoyé un message au doc, d'accord. J'ai envoyé un message au doc parce qu'il voulait me voir hier soir. Ouais. Donc, attends, j'appelle Marcus. Un message, comme ça quand il est là, il me répondra. Marcus, si c'est le pote à Doumé. Appelle Pinto, appelle Marcus. Vas-y, ils sont pas là, les deux ils sont pas là. Appelle Doumé alors dans ce cas-là s'il est là soir. C'est une belle nuit, oh là, c'est une belle nuit. Attends, il a ton numéro Doumé ou pas? Ouais, le mien ouais. Bah non, attends, juste l'appeler. Ah, il a pas mon numéro. Si ça sonne, je dis si ça sonne ou pas, attends. Il va trouver ça suspect. Non, mais dis que tu l'appelles en anonyme. Ah, messagerie frère, messagerie. Ouais, vas-y, pourquoi ils ferment leur téléphone? C'est rien frère. Il a peur là, il est en cavale. Ouais, je vois ça ouais. Putain. Eh les gars, il y a papy, vous rappelez le mec que j'ai bang, qui a survécu là? Ouais. Ouais, il veut me revoir. Ah ouais, c'est vrai que t'as martyrisé une skin. Ouais, il veut me revoir frère. Voilà, il veut me revoir. Il a toujours pas retenu la loi. Voilà, il est sadomaso frère. Attends, je vais l'appeler, ah ouais. Eh hey, les gars, vous avez vu la photo anonyme là? J'ai vu la photo anonyme là. T'as pas vu quoi? T'as pas vu que ce que j'ai écrit là? Si, j'ai vu. J'ai vu ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous pousse à tuer Madriga ou quoi? Eh, venez sur la radio. Attends, au cas où. Attends papy. Attends papy. Oh là, il répond hop. Wesh, il est encore avec une petite vieille. Allô? La personne au poste de... Non, ça sonne mais ça répond pas. Attends, je lui laisse un message. Ça sonne mais ça répond pas. Et pire, on chope Marcus. Attendez, je vais voir si Marcus est là. Non, il est pas là, J'ai appelé. J'ai appelé, il est pas là. Marcus? Ouais. Frère, on dirait que tout le monde est cassé ce soir. On dirait qu'il y a une purge. On peut servir de Marcus. Ah ouais? Mais on peut servir de Marcus. On dit en contact Marcus et le doc. Vas-y, j'envoie un message. Marcus, il lui demande de passer le PPA parce qu'il a pas d'arme. Je suis sûr qu'il a pas d'arme, Marcus. On lui demande ça. Et puis ensuite, dès qu'il va voir le doc, nous on soulève le doc et on se pète et on le. Attends, faut dire que. Bah attends, faut dire que Hawk en fait parle avec le doc pour voir ce qu'il a derrière la tête et après on fait un plan et puis on soulève, tu vois. Parce que faut éviter d'impliquer trop les citoyens, tu vois, dans cette histoire là, tu vois. Enfin, faut mieux qu'on règle ça entre nous en vérité. Ouais, j'avoue. Oh. Donc là, j'attends que papy me fascine, tu vois. Ouais, par contre, les kafirs, ils nous ont vu avec nos masques. Hein. Ouais, mais bon, moi j'ai d'autres masques, hein. Frère. J'ai pas que celui-là. Moi j'ai, ouais. Moi j'en ai un autre, moi. Ouais. Moi j'ai. T'as vu celui-là, t'as vu celui-là? Comment il fait peur? Celui-là, tu vois. Ouais. Ouais, regarde le mec, comment il fait peur aussi. What the fuck, c'est quoi ça? Mec, c'est un sac ça, classique. Ça me rappelle des souvenirs, ça. Rennes de Mika ou Ken? Mais ça c'est quoi une mission? Sa meuf, tu vois, je veux dire. Ah ouais. Ah. Celui-là aussi, il fait peur, hein. T'as vu, tu commences? Tin. Bon. Eh, il nous faut des sous par contre, hein. Bah frère, c'est pour ça qu'il faut soulever Doumé. Comme ça, on a des sous, quel? Mmh. Ouais, j'avoue. Bah attends, même si on va soulever Doumé et qu'on reçoit une récompense, on va quand même être passé pour des balances. Mais des... n'importe quoi, frère, quelle balance? On s'en bat les couilles. On balance personne. Ah, c'est leur on le soulève, on a nos infos. On le ramène, on est des. On le jette, nous sommes des honnêtes citoyens, on est de la population. Voilà. Ah ouais? Ah ouais, bah ouais, mon pote. Eh, venez, on va au Comic-Con, on va voir, y a qui comme flic, on va voir s'il y a Madriga là. Ah, putain, c'est même pas de véhicule, heureusement. Ah ouais? Vas-y, t'es venu comment, toi? Ah. Ouais, par contre, j'ai vu un nouveau truc tout à l'heure dans mon corps, je sais pas ce que c'est. Ah frère, à chaque fois que je conduis le. C'est quoi mal d'orge là? What the fuck? Bah mal d'orge, j'en ai. Ah ouais, t'es sérieux là? Comment ça mal d'orge? Tu vois ça où? Dans mon coffre. Dans son coffre, il a des trucs. Ouais, attends. Ouais, c'est on t'a fourgué des trucs, c'est même pas frère. Eh, les gars. Les gars. Qui traîne sur ta voiture. Les gars, ouais. Regardez mon doigt. Ouais. Tu fais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Okay. T'es discret toi, ah ouais, en tout cas. Il nous a pas vu là. Ah là là, ouais. On te pointe pas du tout à la caméra. Écoute bien bien, Djibril. Ça là. Écoute-moi bien, Gabriel. Mais t'inquiète pas, il y a pas de micro. Ouais, dernière mais fois. Mais non, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de caméra derrière nous. Dernière fois qu'on vient dans cet appart, hein. Voilà, c'est la dernière fois, frère. DiCaprio au 213. Ferme-la, ouais. 670 0144. Ferme ta gueule, ouais, t'es sérieux là. Aïe, c'est moi, c'était le mag, arrête, c'est bon. Ouais, c'est une caméra, c'est pas un micro. Mais c'est pas une caméra cachée là. C'est une caméra gâchée, oh là. Ça filme que les images. Vas-y, go, Comico. Mon coffre, il casse les côtes. Voilà. On va où là du coup? Comico. Oh, tic, attends, je vais acheter à manger. Et à boire. Wesh! Mais comment tu fais? T'es sérieux, lui? Comment tu fais? T'es sérieux? Comment tu fais? Comment tu fais? Mais c'est.
Putain. Ah là, c'est un génie ce mec. Ouais, ils sont partis à l'épicerie ou quoi? Bon, vas-y. Moi, je vais au Comico, tu vois, on se captera là-bas. Bon, papy, il m'a pas répondu. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il est encore dans le coma ou quoi, frère? Oh là, il a des pertes de mémoire, papy, là. Je vais me renseigner par rapport à Doumé auprès des flics. Voir pourquoi il est recherché, etc., tu vois. Ouais, y a pas de flics? Non, sérieux? Wesh, les mecs! Personne qui travaille au. Y'a personne qui travaille aujourd'hui! Ah ouais, d'accord. Y'a personne qui travaille. Wesh, c'est quoi ça? Wesh, réponds. Hello. Ouais, Djibril, vous êtes où là? Nous on t'a perdu de vue là, on est parti acheter à manger. Ah ok, y'a personne au Comico hein? Hein? Y'a personne au Comico. Y'a pas de flic, y'a Wano. Je suis au Comico. Non, on est à côté là, on arrive. Vas-y, à tout de suite. Pa, carnaval au calme. C'est un carnaval, wow, ça. Putain, combinaison. Putain, Power Rangers vert. Voilà, force vert. Force 10, c'est vert. Bonsoir, monsieur. Mais t'en changes, hein. Monsieur. Bonsoir. Attendez, je me sens bien. Bien. Ouais, ça va et vous? Ouais, ça va et vous? Ça va bien. Eh, on l'a beau gosse, hein. Ça va bien. Ah, j'aime bien votre style, hein. Dommage que la moto n'est pas sortie, mais bon. Attendez, c'est quoi votre nom déjà? Je m'appelle Hermès Jouve, je crois qu'on s'est toujours pas rencontré. Ah non, c'est vrai. Hermès ouais. Jouve? Wesh! Ah si, c'est pas le. Ils étaient là en fait! Qui fait des cascades en moto là? Ouais. Ça m'arrive. Hermès Jouve! Ah ouais, faites quoi dans la vie? Hermès Jouve! Non, Hermès Jouve! Bonsoir, messieurs! Bonsoir! Regarde Hermès! Jackie Leroux! Ça va quoi, mon pote? Ça va? Bonsoir! La route est courte! C'est plus cher pour vous, messieurs! On pourrait se parler dans un bureau, s'il vous plaît, c'est par rapport à une certaine récompense. Oh, la classe, la tenue. Merci. Bien pris, j'aime trop ta tenue, 103, on aura besoin de vous au commissariat. Franchement, stylé. Hein. Ouais, ah, 103, trop, de 103 monde, 42, faut qu'on parle. Au numéro... 42. Est-ce qu'il y a 36? Ouais, 63, on a besoin de renfort au niveau... Appelez 69. 69, c'est moi. Que Aprio et Monsieur Salah. Comment vous savez? Alors... Vous êtes devant? J'ai trouvé une arme par terre, c'est pour vous la rendre. Ah. D'accord, suivez-moi. Il a trouvé une arme. Oui, j'ai fait tomber un fusil à pompe. C'est la mienne. Ah ouais. Est-ce qu'il y avait deux boules ou pas? S'il y avait deux boules, coup, c'est la mienne. C'est monsieur là-bas qui vient parler. Bougez-vous. Wesh. Ça ouf. Les frères, il veut nous mettre de côté le flic déjà. Ah ouais. Pouf, j'ai pas réussi à m'arrêter, voilà. Je peux retrouver. Là, j'ai délancé là. Ça, c'est parce qu'il était trop speed, frère. Agent Leroux, c'est par oui. rapport à... Monsieur, on peut vous aider. Oui, écoutez, on a vu les avis de recherche par rapport à Doumé ou je sais pas comment ça s'appelle là. C'est combien la récompense? Ouais. Nous, on est chaud. C'est combien la récompense? Voilà, ça va. Pourquoi vous sortez la moitié de Jack? Vous avez vu, j'ai pas l'information sur la prochaine insulte, tu prends un coup. Ah, est-ce que vous pouvez demander l'information, s'il vous plaît? Prochain quoi? La demande d'un prochain insulte, il a dit. Ah, c'est lui, votre frère. Vous avez tapé en fin de journée. Tu vois, comment ça va? Eh, il veut trop frapper pour rien. Eh, les gars, attendez, monsieur. T'es pas en dessous, alors monsieur, c'est combien la récompense pour Doumé, s'il vous plaît? Doumé, sachant qu'on peut l'attraper facilement. Attends, excusez-moi. Il cherche pas à se cacher, hein. Attendez, excusez-moi. Donc, du coup, en fait, si c'est si facile, pourquoi vous mettez une annonce et vous proposez une récompense? Et vous demandez une récompense? Ça, c'est une annonce putaclic. C'est du putaclic. Avant qu'il mette son tweet. Incapable. Voilà. Oh, vous inquiétez pas. Eh, ça coûte combien un fusil à pompe comme ça, là? C'est trop stylé, là. Ouais, ça coûte combien, hein? Ah, je sais pas, t'avais 4000. Pourquoi c'est ça? Eh, je me sens pas à l'aise là. Ah ouais, foulard et tout. Puis il fait froid dehors, j'avoue. Voilà, on est jamais trop bien. Ouais, ce sera tout. Non, vous avez pas répondu à notre question. De combien est la récompense? Parce qu'il est question de récompense. C'est rémunéré. Donc moi, je veux savoir c'est combien. 63, c'est qui 63? C'est toi 63? C'est moi. Ah, c'est vous? Affirmatif. 63. Moi, c'est 54, moi. 12. Moi, c'est 31. On soulève des merdes. Comment Marseille bon. Vous pouviez garder un langage correct, monsieur, s'il vous plaît? Oh, je parle correctement, hein. Ouais, mais vous êtes capitaine, lieutenant, vous êtes quoi? Non, moi je suis encore un petit jeune, monsieur. Eh, vous allez aller loin. Vous êtes pas arrêté, hein. Vous avez tué le plafond, Inch'Allah, sans sauter. Inch'Allah, monsieur. Putain, j'aurais confondu avec quelqu'un d'autre, hein, monsieur. Vous pouvez monter sur le crâne de Barthez, vous tuerez le plafond aussi, hein. C'est qui Barthez, Djibril? Ouais, je vois pas. C'est qui Barthez? Oh, je sais pas. C'est qui Laurent Blanc? Beaucoup de cheveux. Du coup, Laurent Blanc, c'est qui? Écoute-moi bien. Djibril Salah. C'est qui Barthez? Ah, hein? Ah, tu veux la jouer comme ça? Allez-y. Tu veux la jouer comme ça? Du coup, c'est combien la récompense? Vous avez eu l'information? Ouais, j'ai envoyé un mail directement à monsieur Adama. Okay. Qui a fait l'annonce. Ah, c'est lui qui a fait l'annonce. Mais pourquoi Adama? Bah, c'est lui qui a fait l'annonce. Parce qu'il t'aime bien, lui. Oui, non, mais je veux dire, vous voulez donner ça à votre capitaine, je vois pourquoi vous donnez ça à Adama. Le capitaine n'est pas disponible les vendredis. Ah ouais, donc en fait, le capitaine n'est pas là, c'est Adama. Il fait Shabbat, je crois, c'est pour ça. Bah en fait, je sais pas si vous avez compris, mais Adama Rabat, est au-dessus du capitaine. Rabat, ouais, Rabat plutôt. Pardon? Oui, Adama, c'est... Ouais, il est au-dessus de tous. D'accord, c'est juste que je veux savoir. Non, attendez, Madriga, c'est pas le plus haut gradé? Ben non, c'est ce qu'il vient de me confirmer, c'est bon, c'est ce que je veux savoir. Quoi?
Non, c'est pas possible. C'est Adama, si, c'est Adama ou c'est Madrigal plus gradé? Non. C'est Adama. Eh, monsieur la police, là, moi, à votre place, je ferai attention à Madrigal, hein, parce qu'il y a des photos en ce moment qui tournent. Je sais pas si vous regardez un petit peu Twitter, mais bon, voilà quoi. Si, j'ai vu ça. Ah, vous en pensez quoi, vous? Moi, à votre place, je ferai attention. Vous en pensez quoi, dehors, il commence à faire froid, mettez un bonnet si vous voulez pas attraper froid. Et un casque, un casque par balle aussi, hein, on sait jamais. Et par contre, reculez-vous un peu. Hein. Ah, pardon, excusez-moi. Je me sens intimidé. De sécurité, je me recule. Non, il a raison. Non, c'est juste une mesure de sécurité. Wesh, le roule. Wesh, le roule, il est passé où? Wesh. Recule. Il a pas l'air de vouloir. Elle est où, là, pour tes cours? Bon, messieurs, on vous laisse. Faites du. Eh, n'oubliez pas. Vous faites du bon boulot, Inch'Allah, vous toucherez le plafond. J'ai pris l'appel. Merci, messieurs, au revoir. Attends, je prends à boire, frère, j'ai soif. Prends à porter. C'est gratuit. Prends le gallon. Prends le jerrycan, là, côté. Prends le jerrycan. Je prends la pompe. Bonsoir. Non, monsieur. Bon, le doc. Vous aider? Il est pas là, le doc? Ah, faut trouver Doumbé, hein. Doumbé, ou là, je peux commencer à Doumbé, ouais. Faut trouver Doumbé. Eh, les gars, je vais à l'hôpital, vite fait. Je vais me faire soigner, les gars, pas de soucis. Juste un truc. Je me posais quelques questions et le mec, il vient juste confirmer ce que je pensais. Ouais. Madrigal, c'est un petit joueur, en fait. Hein. Non, c'est pas ça. Attends, juste, venez, on va en discuter plus. Enfin, à l'hôpital. Vas-y. Monte. Vas-y. Je t'expliquerai. Monte, avec Djibril. Tu vas faire encore un accident ou vous allez aller à l'hôpital, comme arrête, d'habitude? Bah, je crois que c'est lui qui fait des accidents. Mais bon, c'est mon pas de favoritisme. Une fois avec Djibril, une fois avec toi. Bah ouais, sinon après moi, je vais être jaloux, moi. On veut pas faire de jaloux, tu vois. Mais je me suis dit, c'est bien. Ah, donc en fait, Adama, c'est le plus gradé, c'est pas le cas. Wesh! Moi, je mets les mains! En fait, je t'explique. Adama, tu vois, j'ai remarqué que. Il était plus. Enfin, je le voyais plus dans la police, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Bah, tout simplement, c'est que. Le mec, il réapparaît, il rentre dans des bureaux d'interrogatoire, il fait comme s'il était chez sa mère, tu vois. Ouais, normal, ouais. Il me questionne, des trucs comme ça. Et moi, je suis là, wesh! Le mec, il est plus flic, c'est un cas. Ouais, Madrigal, il dit rien, quoi. Madrigal capitaine, c'est ça, tu vois. Et je voyais quand il y avait l'interrogatoire avec moi hier, tu vois. J'ai remarqué qu'il y avait une différence, qu'il s'est passé quelque chose, tu vois. Et ouais, on arrive, t'inquiète, c'est juste dit qu'il respecte les feux. Tu penses que Adama, c'est Black Market? Et. Attends. Ouais, mais frère, parce qu'il dit que tu vois, c'est un honnête citoyen, c'est pour ça, il respecte les feux, tu vois. Parce qu'il me demande à la radio, on est lent. 3 secondes, frère, 3 secondes, on est là. Bien sûr, je suis honnête. Je soulève des gens, mais je suis honnête, frère. Est-ce que tu respectes pas les gens, mais tu respectes les feux, tu vois? Non, les gens, je les respecte pas. Les feux, c'est sacré, frère. Un feu, ça balance pas, tu vois. On est arrivé, messieurs. Vous mettez combien d'étoiles, monsieur, pour Hubert? Bon. 5 étoiles. Les gars, je vous dis juste, donc je vous fais le speech. Ce qui se passe, c'est que, donc, je disais, Adama, il arrive dans les interrogatoires. Adama qui me dit, ouais, je vais te faire un casier judiciaire. Adama qui me dit, si, Adama qui me dit ça, je lui dis, ouais, le mec, il est plus flic. Je fais, vous travaillez où, dans Adama? Il faut vraiment dans une ferme au nord, dans un poulailler, tout ça. Tu vois, c'est pas possible. Ah ouais, d'accord. Il prend pour un con, tu vois. Voilà. Bref. Ce qui se passe, c'est que avant-hier, il y a eu des bails chelous. Il était limite le boss au camp. Venez, hier, pareil. Attends, on sait jamais s'il y a des gens dedans, tu vois. On sait jamais, surtout s'il y a des mecs qui veulent venir soulever à l'hôpital, comme quelqu'un. Hier, il y a eu encore ça. Aujourd'hui, je me dis, oh, c'est bizarre, le type, là, il a trop d'accès, c'est pas normal. Ouais. Et là, le mec, je voulais juste qu'il confirme mes soupçons, tu vois. D'accord. Et il l'a confirmé. C'est pour ça que quand il a parlé à Adama, j'ai fait, pardon, vous avez dit quoi? Ouais. Il a dit quoi? Il a dit, Adama était au-dessus du capitaine, tu vois. Oui, bah oui. Et frère, s'il est capitaine, il y a quoi au-dessus du capitaine? Ils sont pas dire colonel ou je sais pas. Lieutenant, non, ou général. Non, lieutenant c'est en dessous. Mais frère, on n'est pas à l'armée aussi. Après, je sais pas, peut-être. Lieutenant c'est en dessous du capitaine. Ah frère, il est dans une section spéciale peut-être. Super après, capitaine. On a... Ça c'est juste des. Ouais, le super capitaine. Ouais, du FBI, Adama frère. Captain Majid. Captain Majid. Vas-y, y'a personne frère. Ah ouais, je vous ai pas dit. Attends, j'ai appelé Camille. Ouais, je vous ai pas dit, je me suis fait braquer hier. Quoi? Ah ouais? Par qui? Par des mecs. Comment ça par des mecs? Par qui? Je sais pas, des mecs. Pas, il y avait un mec. Ils m'ont dit, ouais, ils m'ont braqué. Et puis ensuite, ils m'ont demandé ma carte d'identité. Une Shafter V12. Fuck. Verte, avec des reflets roses. Nacré en rose. Vas-y, attends, j'appelle Camille. Hein. Oui. Et ils t'ont dit quoi les deux? C'était combien de personnes? J'écoute! Oui, deux. Camille! Je suis à l'hôpital, j'aurais besoin de soins si t'es disponible. Bah, le mec, il m'a pris ma carte. Oui, oui, j'arrive dans plus de minutes. D'accord, bah écoute, je suis en haut. Marche, j'arrive. Et ils ressemblent à quoi les personnes? T'as vu leur visage? 100%, ça devait être difficile. Mais non, parce que mais en fait, il y a. En fait, si tu veux, dans cette ville. Eh, mais les gars, Pinto, il m'a dit que. Comment il s'appelle? Berthez. Ouais, mais Pinto, il m'a dit qu'il y a des flics en civil. Ça là, et là il a dit de la même manière en fait. J'ai quelques soupçons sur lui. Après ouais. Mais rien de fou. Non mais ouais, juste... Pinto il m'a dit qu'il y a des flics, il y a des flics qui traînent en civil. Pinto, vous savez ce qu'il m'a raconté? Il m'a dit il y a un mec qui le suivait en moto. Un mec qui le suivait en moto. Pinto il a stressé avec sa voiture, il l'a tapé, il l'a mis dans le coma au calme. C'était un flic. Frère, il l'a tapé avec sa voiture, il l'a mis dans le coma alors que c'était un flic. Mais il savait pas, c'était un flic en civil. Hier soir.
Voilà. Je courais dans la rue, dis-toi une moto, il y avait deux mecs, enfin deux meufs, je sais pas, mais il y avait deux personnes. Ils sont mis à côté de moi, ils sont arrêtés, ils ont attendu quelques secondes, puis ils sont partis. Bon. Qui c'est? Bah, je sais pas, des flics. Ça peut-être. Des flics. Peut-être, ah, hein. Des... Peut-être des mecs qui veulent soulever ou recherchent la récompense aussi. Eh, les gars, vous voulez pas qu'on emmène ce véhicule avec nous? Venant, fais toute la même coupe que l'autre là, que Doumé. Pourquoi? Ouais, mais c'est qui en a plus besoin entre nous? Pour rendre fou les flics. Voilà, ça c'est papy ça. Ah non, non. Voilà, c'est papy, hein. Bonjour, Camille, monsieur. Ça va ou quoi? Ça va, vous allez bien? J'aurais besoin de soins, s'il vous plaît. Ah, voilà, je suis mal. C'est qui premier, là? Ouais, pas tout le monde dans la même salle, s'il vous plaît. Ah, par un, les mecs, c'est moi qui ai le plus mal, là. C'est moi aussi. Ah, bougez. Oh, tout le monde salon, j'allais... Oh, je suis dernier debout. Je suis dernier debout. Le dernier du coup, je contrôle. Tu veux contrôler? Moi, je vais prendre. Je vais prendre monsieur Dick, je vais demander d'attendre dehors, s'il vous plaît. Arrêtez les insolents, là. Dépêchez-vous, là. Écoutez la demoiselle. Merde. Allez, prenez-le bien. Prenez-le bien. Ne l'écoutez pas. Protégez-vous aussi. Ne les écoutez pas. Vous protéger. C'est des mauvaises langues. C'est important. Allez, sortez. Du coup, monsieur Dick. Ouais. Dites-moi. Bah, j'ai percuté. Dick-moi, elle a dit. Dick-moi. J'ai percuté de plein fouet un poteau et j'étais en moto. Et du coup, bah, je pense que j'ai des côtes fêlées. Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez vous mettre assis sur la table? Bien sûr. Tout ça, s'il vous plaît. Vous faites quoi, les zigotés? Vous croyez que vous êtes Casper ou quoi, les mecs? Non, mais en fait, parce que j'ai ma pièce. Ouais, je t'ai vu, toi. Dégage. Pas de violence. C'est incroyable, ça. T'es sûr que tu me mets dans la merde, toi, Dibrel? C'est pas moi, c'est toi, frère. Mais frère, il y avait... Ouais, tu sais, il m'a rappelé. Monsieur, restez dehors, s'il vous plaît. Mais j'ai pas... Dehors. C'est là. Ah, vous avez dit que vous avez mal au côte, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Vous avez de 1 à 10, vous avez mal à combien? Oh, un bon 6, hein. T'es mal comment il danse, c'est tout le con. Ah, j'ai un bon 6 sur 10, hein. D'accord. 10 centimètres. Oh, attendez. Effectivement, vous avez bien deux côtes fêlées. Ah, bah oui. C'est un triangle, hein. Je vais vous mettre une minerve pour bloquer tout ça. Si jamais ça va pas mieux, faudra venir et on réexaminera en profondeur. Wesh! Dibril! Fuck, qu'est-ce que tu fais? Super Saiyan! Ah, frère, tu bouges trop vite! Je vais chercher du sang, monsieur! C'est quoi ça? Super Saiyan au calme! Hey, Dibril! Ouais! Je vous dis, j'ai des côtes cassées, va mettre une minerve! What the fuck, man? Ça c'est maintenant. Monsieur, vous pouvez mettre assis s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Oubliez pas. Dick. Ouais. Oubliez pas de t'entraîner comme ça. Ah, hi, ah, ouh. Ah, hi, ah. La harina. Donc, je vais vous mettre qui vous tienne vos côtes, comme ça. D'accord. On va voir voilà, si... Plus vite. Allez, je vais revenir, ça vous va. Et si ça va pas mieux, vous revenez et on fera des examens en profondeur. Ça marche, merci beaucoup. Les procédés. Excusez-moi, je m'étouffe. Pardon. Il y a pas de mal. Je vais. Vas-y, arrête-moi. Vous dites si ça sert de trop. Yoga, c'est bien. Aïe, ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Là, c'est bon. Là. Wow. Hop là. Est-ce que vous avez besoin de boire ou de manger? Fais ça tous les matins. Bah là, en fait, là, j'ai encore mal. Hein. Je vous cache pas que j'ai. Il me faudrait des soins un peu approfondis quand même. Hein. Des pansements. Je vais vous donner des balles antibiotiques magiques. Ah, voilà, c'est dit, frère. Elle le garde exprès. Dans quelques minutes, ça devrait aller mieux. Mais il nous le dit pas encore. T'as vu, c'est ça. Et comme je vous ai dit, si jamais ça va vraiment pas mieux, non mais il faudra revenir. Bah, il faut vous baisser comme ça et tout là. Je lui dis, j'ai une balle dans l'épaule. Genre, tu remal. Quoi? J'ai une balle dans l'épaule. Et que je vais la voir, ça se voit, elle va me passer un Doliprane au calme. What the fuck? Regarde, ça va trop vite entre eux. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, waouh. Oh mon dieu. Vous venez de vous faire sucer. Monsieur, elle est fermée la porte, j'ai oublié. Elle est fermée la porte. Comment t'as fait, Ninja, va? Mais t'as oublié qu'il était marocain? T'as pas vu, j'étais en train de me transformer tout à l'heure. Merci Camille, hein, ça va beaucoup mieux. Ah bah écoute, elle est pas là en fait, hein, pour l'instant. Ça fera 50 balles. Ouais, donc il est pas là, c'est dommage. Vous pouvez ouvrir la porte s'il vous plaît, j'ai envie de sortir là. J'ai envie d'aller voir les deux zouaves. Oui, ça marche. Allez-y, c'est bon. Merci encore, ma douce. Hein. Après, de toute façon, Dibri, c'est des salles insonorisées, on n'entend rien. Ouais, moi aussi j'ai besoin de soin. Oh. Comme ça, vous avez besoin de soin, vous avez rien. C'est vrai qu'un petit bobo au genou. Ouais, tu m'as frappé combien de fois ça là? Ah, j'ai rien. Alors, c'est. Tout à l'heure, tu seras trop noir. Ouais. Dick, entre nous, c'était comment? Hein? Fais ça bien ou pas? Monsieur, vous pouvez venir avec moi? Attends, vous viens. Vous mettez assis, s'il vous plaît. Frère, je lui dis que j'avais des côtes cassées, elle m'a donné une minerve pour mon cou. C'est quoi le rapport, wesh? Voilà. Je lui dis que j'ai le sida, elle va me donner. Elle va pas me donner... faire un vaccin, non? Non, mais si un jour tu dis que t'as le sida, elle va te donner un sirop pour la gorge, frère. Passe-pont. Vous pouvez vous.
On peut vous mettre un pansement. Voilà, va te mettre un pansement, va dire t'inquiète, c'est bon. Putain, après, je suis en prison dans la cellule, j'ai planqué mon tel dans ma chaussette. Papy, il est en prison, frère. C'est pour ça qu'il répond pas, il m'a envoyé un message. Toi, quoi, le papy là ? Ouais, papy chelou là. 35. Jibril ? 213. Tu fais quoi 215. Là ? Donc, toi, en fait, tu chopes toutes les meufs de la ville, quoi, ça ? 47, 35. Ça que t'es en train de faire quoi, comme d'hab quoi. Arrête, t'es en train de voir des numéros. Ah, comme d'hab. Ah, ça chope des numéros, calme, hein. Tu veux qu'on se tape ou quoi là? S'il vous plaît, monsieur, pas de... Mais il a déjà une meuf aussi, mais il a déjà une meuf, elle s'appelle Dana. Mais j'ai pas de meuf, mais il arrêtez de mentir, tous les pas soirs, il est fait du sale. Mais c'est ma cousine. Ah, en plus. Ah, il double là. Ah, là, vous êtes le cousin qui vient chercher, vous allez là. Va chercher à l'aéroport. Oh, Doumil est là. Non, sérieux? On va le soulever lui. Il a envie, frère. Ah ouais? Il veut pas. Il a envie, il m'a dit, il y a une grosse équipe avec lui et tout, gros. Il m'a dit, il y a quelques gros qui sont avec lui, il veut soulever les keufs. Quoi? Oh, c'est la guerre, frère. Comment ça? Bah, attends. Bah, le mec, il est recherché, il veut soulever les keufs. C'est du pipeau, frère. Il a wallow, frère. Mais, il m'a dit, il a plusieurs gangs avec lui. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a rien ils du tout, frère. Des armes et tout, ils ont calibré et tout. Mais vas-y! C'est gros mytho, c'est pourquoi? Gros mytho, frère. Frère, parce qu'il s'est fait caviar par. Mais les oui! Harmonies. Frère, eh, hey, y'a pas de gros armes, y'a rien. On va aller en ville, on va le soulever, frère. Il est en ville. On va le soulever. On va le chercher. Je vais lui faire une. Bon, oh, c'est bon là, on a du travail, frère, sur la planche. Mais frère, elle doit mettre un pansement, mais elle n'a rien du tout, frère. Faut qu'on y aille. Faut qu'on y aille. T'es en train de faire quoi? Faut qu'on bouge là. Vas-y, bon. Mais j'attends votre pansement, madame. Oui, attendez, je le découpe. Ah ouais, 10 piges. Allez, frère, maintenant on va à Netflix. On vous entend en bas. Oh, putain, mais pourtant, les fenêtres sont fermées. Toujours là, on nous annonce les mauvaises nouvelles, c'est un truc de ouf. Voilà, tout le temps les mauvaises nouvelles, toi. C'est un truc de ouf quoi! Wesh! Truc de ouf! Rien de les mauvaises nouvelles quoi! C'est quoi? C'est un manière de dire bonjour! Eh les gars, Demba il m'a appelé! Wesh, il est con quoi lui? Demba! C'est Demba! C'est le mec! Demba ouais! Ouais, bonjour! Ouais, ça va ou quoi, Demba? Ça va ou quoi, Francky? Ouais, ça va et toi? Ouais, mais. Tu sais là, je t'attends toujours hein! Tu m'attends toujours pas, pourquoi? Et l'autre fois tu m'as dit je t'attends, et là depuis 2 jours je rentre t'attendre. Ah ouais, ça fait 2 jours que tu m'attends. Mais frère, t'as vu comment tu faisais le bordel au parking? Moi j'ai pas besoin d'un mec comme ça. Écoute, là je me suis calmé, tu sais pourquoi je me suis calmé? Non. Parce qu'il y a 2 de mes putains d'enfants qui ont été envoyés au Sénégal. Ah ok, mais sinon t'as fait d'autres rencontres ou pas en ville? Mais tu sais, je fais 15 mètres, t'as un mec qui me demande, s'il y a du TDR à droite à gauche. Non, c'est quoi, là, il y a un mec qui est recherché par les flics, il s'appelle Doumé. Et en fait, si t'as des informations sur lui, tu vois, là, il est actuellement en ville, si t'as des infos sur lui, et bah, tu peux demander une récompense auprès des flics, tu vois. Donc, si tu peux le faire tout seul, tu le fais, tu vois, sinon, si t'as besoin d'aide, tu me le dis, tu vois. Il s'appelle Doumé Paoli. J'ai marché, il y a une maman, elle va venir me demander, t'as des informations sur du TDR, l'autre, je vais marcher, il m'a dit, oui, tu connais les infusions thé vert? Oui, je fais wesh, les gens. Parle trop, lui. Vas-y, il me casse tête pour rien, lui. Appelle Doumé, ouais. T'es en train, en fait, je suis en train de me le mettre dans la poche, Doumé, parce qu'il se méfie d'où. Je lui dis, il m'a dit en fait que les flics, ils faisaient le ménage. Pour pas qu'il témoigne de ce qui s'est passé en tôle. Mais ça veut dire quoi, faire le ménage? Ça veut dire qu'il supprimait des gens, en fait. Quoi? What the fuck? Il bute des mecs? Moi, ouais, t'as cru qu'il y avait, des tueurs en ville ou quoi? Mais non, frère, c'est pas possible, tu peux pas buter des mecs, ça va pas ou quoi? C'est ce qu'il m'a dit, mais ouais, mais frère, attends, dans la poche, je lui dis, ouais, t'as d'autres infos? Tu vas pas buter des gars? D'autres infos pour moi? Ouais. Non, les flics ils vont pas faire ça, frère, sinon c'est demander la police et. Ouais, mais frère, oui. je vais lui demander en fait de le capter. Dis-lui de venir ici, nous on se cache. Ah, ici on va garder cette place tranquille pour nous. On va aller à notre endroit. Bah, un parking public là-bas, juste à côté quand tu descends. Après, le truc, c'est que si on ramène des gens ici, un jour on va être là, discuter, ils vont voir des véhicules en dessous, ils vont dire, ouais, il y a sûrement quelqu'un en bas, tu vois. Et ils vont nous venir, ils vont monter. Ah, la ville elle est grande. Parce que on entend d'en bas. Le sol c'est du carton. Ouais, mais frère, les fenêtres sont fermées. Ouais, mais t'inquiète, de toute façon les fenêtres sont fermées. Donc, même si t'entends des petites voix, tu peux pas comprendre ce qui se dit, tu vois. Ouais. À moins que tes oreilles les plus sensibles au monde. Pêche! Voilà. Comment t'as ouvert la porte des toilettes? Bah tu vois. Envoie lui un message, tu vois. Tu lui dis déjà, vite t'es chaud pour qu'on se capte, tout ça, comme ça il confirme. Et après nous on cherche un endroit où lui donner rendez-vous pour pas lui donner rendez-vous ici, d'accord? Sinon moi je peux l'appeler. Un truc naturel pour pas qu'il se reste, tu vois. Moi je peux l'appeler, je lui dis écoute, moi aussi je suis recherché. Non mais écoute, on a un point commun, moi et lui. Moi aussi je suis recherché, donc je sais ce que c'est, tu vois. Voilà, c'est vrai. Tu sais ce que c'est, mon pote. Tu lui dis, on est dans la même merde. Vas-y, attends, donne-moi son numéro de téléphone. Ou alors je lui dis, je suis avec Dick. Vas-y, dis-lui. On veut se voir parce que nous aussi on veut régler des choses, ces genres de choses. Vas-y, dis-lui, moi aussi je suis avec deux gars. Dis-lui, je suis avec deux gars. T'es avec deux gars sûrs.
Tu dis que je suis avec deux si. Écoute, Zibril. Non, pour le mettre en confiance, je dis qu'avec moi, il y a un mec qui est prime aussi. Donc, non, c'est quoi, c'est quoi. Non, donne-moi son numéro de téléphone, je vais faire. Juste donne-le-moi. Et allô ? Oui, monsieur Doumé ? Oui ? Comment vas-tu ? Ça va très bien, vous êtes qui ? Je suis monsieur DiCaprio. Alors, on se connaît ? Bah non, bah, peut-être qu'on se connaît, parce que j'ai vu en fait l'annonce là vous rappelez ? Sur le journal là, qui date d'hier soir. Bah moi je me dis que ça nous fait au moins un point en commun, hein. Ouais, parce que pense moi, à... on est tous les deux des hommes recherchés, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je sais ce que c'est, quoi. Ah, et ouais. vous êtes recherché pour quoi ? Moi ? J'en sais rien ! C'est ça le problème. Et vous êtes recherché pourquoi ? Ah, parce que j'essaye de montrer aux yeux de tout le monde la vérité concernant les magouilles de la police. Attendez, vous essayez de montrer les magouilles de la police aux yeux de tout le monde ? Mais c'est-à-dire, vous avez fait quoi concrètement en fait ? Ah, bah écoutez, je suis un citoyen lambda victime de violences policières, de torture, etc. C'est vous qui étiez en cellule hier ? Tout à fait. Ah ouais ! D'accord ! Bah écoutez, moi je connais Marcus, c'est ça ? Et Pinto, c'est vos collègues ? Oui, tout à fait. Ouais, bah c'est... Je les connais. Ok. Je dirais pas collègues, mais je les connais, oui. Ouais, bah écoutez, moi aussi je les connais. Et du coup, bah j'imagine que là, ce soir, c'est un peu tendu pour vous, c'est ça ? Tendu, bah forcément. Mais safe, ça l'est quand même. D'accord, ok. Du coup, c'est quoi votre programme pour ce soir ? Quelle est votre stratégie, on va dire ? Je vous avoue que mes plans, je préfère les garder pour moi. Je préfère ne pas ébruiter trop et avoir des fuites et que mes plans tombent à l'eau. D'accord, ok. Non, parce que là, c'est pas question de plan, en fait. Si vous êtes quand même recherché. Donc même si vous échappez des plans, vous êtes quand même recherché. C'est ça le problème, en fait. Ne me dites pas que vous allez faire des bêtises, hein. Ne me dites pas que vous allez tuer quelqu'un. Faut pas tuer la police, quand même. Oh, pas pour le moment. Pas pour le moment. Ah, j'aime bien les mecs comme ça. Eh, écoute, je vais jouer carte sur table avec toi. Je suis avec deux gars sûrs. Si t'as besoin d'aide, on se capte et puis on peut en discuter. Qui des gars sûrs ? Avec des gars sûrs, t'inquiète. Si tu veux, on se voit. J'aime pas trop parler par vocal comme ça au téléphone. Donc autant... Si on est sur écoute, dis-lui. Si on est sur écoute ou un truc comme ça, tu vois, autant en parler face à face, tu vois. Y'a pas d'embrouille, y'a pas de... C'est pas un piège, y'a pas de guet-apens, y'a rien du tout, on va juste parler. Ah, ok. Bah, je te recontacte pour mettre en place un éventuel rendez-vous dans la soirée. Bah vas-y, on fait comme ça alors. Ok. Vas-y. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais, il va me recontacter dans la soirée pour un éventuel rendez-vous. Mais on va juste discuter, les gars, y'a pas de soulevage ou truc comme ça, juste ce qu'il y a. On va voir ce qui se passe, ouais. Ouais. Ce qui se passe. Mais dites-vous que c'est du bluff, tout ce qu'il dit. Ouais, bah oui. Mettez-vous en tête que c'est du bluff. Hein. Papy, frère, ça fait combien de temps que papy est en cellule, wesh ? Mec, ça fait au moins 30 minutes là qu'il est en cellule, il devait sortir à 10 minutes. C'est nap ! Vas-y, frère. Oh là, ils le retiennent de trop. Ouais, le mec, on dirait que c'est Louis XVI. Oui, alors je compte échafauder quelques plans contre la police. Wesh, t'es sérieux, toi ? Voilà, comme ton Martin, wesh. Un ministre, t'avais comment il parle, on dirait un ministre. C'est pas Doumé, lui, c'est pas possible, lui, c'est. Voilà, c'est nap. Voilà, Doumé, il parlait pas comme ça. Bon, du coup, il a changé, frère. J'attends qu'il me. La matraque, ça l'a fait changer. Ah, voilà, de ouf. Papy, attends, je vais essayer de l'appeler. Attends, je viens de voir ton style, là. Quoi, c'est le style que tu nous as mis, frère ? Qui ? Quoi ? Enfin, Dick. Ah, bah, je suis beau gosse, frère. T'es mat, t'as des converses. Quoi ? T'as des converses, toi, All Star. Ouais, mais moi, c'est bien, j'ai essayé de mettre avec la tenue, frère. Genre, mais rien, lui, frère, il a mis du bisoutil. Ah, ouais, j'avoue. Il a mis des bottines en dessous. Mon style, c'est le meilleur, par contre. Frère, toi, tu sais comment ça qui, frère ? Il m'appelle Ramzy dans H, frère. Il m'appelle dans 2 minutes. Il m'appelle, papy, il m'appelle dans 2 minutes. Il est Ramzy dans H. Oh, ouais. Vas-y, frère, vas-y. Aimé aussi, non ? Aimé, c'est Barthez. Y'a. Doumé, il m'a dit, c'est toi qui as donné mon numéro à un certain Dick. Si oui, dis-lui de m'envoyer un SMS. C'est un moyen pour m'enculer, ça. Non, mais oui, c'est toi qui m'as donné. On a rien à cacher, on s'en bat les couilles. Attends. Bah, si t'as dit donne-moi un SMS, c'est pour qu'il ait ton numéro. Parce que là, quand tu l'as appelé, il a pas eu le temps de le noter ou il a peut-être pas. Ouais, c'est pas grave. Bah, je lui donne mon numéro, y'a pas de soucis. Ah, donne-lui ton numéro si tu veux. Pour être sûr. Bon, je lui envoie un message. De toute façon, on va se pointer tous les trois, donc il va te voir. Ça sert à quoi de lui mentir ? Ouais, mais tranquille. Hey, il faut être patient, hein. Faut être patient. Moi, j'attends papy. Hein. Ah, papy, Chulu m'appelle. Ok, vas-y. Wesh, papy. Contamination. Papy, je crois que ton téléphone il bug, hein. Faut que tu m'envoies un message ou change de forfait. Oui. Ah. Tu m'entends? Ouais, c'est bon, je t'entends. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, tu vas bien? Ouais, ça va. Ok. Et pourquoi t'es parti en prison? Ouais, parce que je voulais soulever des darons, tu vois. Tu voulais soulever des darons? Bah oui. Comment? La jeunesse. Wesh, comment ça, tu veux soulever des darons? Bah oui. Ok, d'accord. Mais t'es armé, t'as quelque chose, t'as fait quoi? Oh non, rien, t'inquiète, rien, je suis un tox pour ça. Ouais, je vois ça, ouais. Bon, j'ai, écoute... fait de la bœuf et il y a des policiers qui sont arrivés, ils m'ont démonté la gueule avec des tonfas. Ils t'ont démonté la gueule avec des tonfas? Ouais, j'étais bleu de partout, mon petit fils, t'as vu ça. Tout ça parce que t'as fait de la bœuf? Ah oui, ils ont été très violents avec oh, moi non. Et j'ai...
Oui, je suis mort de soif en prison, maintenant je suis à l'hôpital. T'es à l'hôpital? Oh merde. Ouais. Bah tu veux que je vienne te chercher? Ah, la police veut pas me laisser partir parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui m'a mis des coups de tonfa. Oh merde, bah vas-y, porte plainte alors dans ce cas-là. Et je voudrais bien que tu viennes me chercher quand même parce que j'ai très peur. Oh, tu me fais de la peine. Bah écoute, tu m'envoies un message dès que t'as fini, ok? Ah, merci mon jeune, merci beaucoup. Y'a pas de soucis, vas-y. Merci mon jeune. Bisous, je t'embrasse, tu fais des gros bisous. Merci mon jeune, moi. Ouais, c'est une skin, ils l'ont déglingué en prison, frère, des coups de tonfa. Ouais, il avait du mal à t'entendre au début. Ah, laisse tomber, frère. J'entendais pas ce qu'il disait. Voilà. Ouais, je crois qu'à la radio il a dit qu'il a Doumé. Hein. Ah, Djibril? Je crois à la radio il a dit qu'il a Doumé. Hein. Ah ouais, t'es je où pas, je sais pas, la radio elle est éteinte, tu vois. Mec, papy il est mort de soif en prison et tout. Mais j'ai rien reçu. Regarde, il t'envoie un message, la position il a mis où? Bon, ouais, j'ai pas reçu de message moi. On a rien reçu, Djibril. Non, rien reçu, frère. Il est avec Doumé? Non, il a trouvé la position en fait. Ah ouais, j'ai reçu là, c'est bon. Ah, j'avais mal compris, c'est pour ça que tu m'as dit que t'étais avec Doumé. Même pas, ça nous attend. 50 balles! Waouh! Ah ouais, 50 balles! Mieux, hein. 50 balles, frère! Il court lui. Vas-y, mets masque. Ouais, nous frère, on est là tranquille. Non, on est mais. En train de vendre. Même, attends, on est à côté d'un point de vente, c'est sensible. Il est en train de vendre, au calme. Ouais, j'étais mal, il est posé au calme. Regarde comment on va lâcher un métaux. Hé, hey, toi! 50 balles! Putain, ça se met bien! Y'a deux mecs qui m'appellent. Vas-y, réponds. Allô, pas moi, wesh. Ouais, beau gosse. Ouais, beau gosse. Quoi, ça y a un problème ou quoi? Sirène, y'a une sirène. Ouais, 100%. Attention, y'a une sirène. Dis-lui, y'a le flic, dis-lui, y'a le flic. Attends, je crois qu'il y a des flics, Djibril, déplace-toi. Des ambulanciers. Hein. Frère, on dirait que t'as mis le masque, tu vas transformer. Bah ouais, frère, on met le masque. Ah, j'ai pas envie qu'il m'arrête pour rien encore, comme d'hab. Attends, mais Doumé, il veut quoi là? Ah, voilà. Non, commence pas. J'ai pas de casque. Ah, c'est bien. J'ai pas de casque. Ouais, ok, on bat les couilles. Djibril, y'a les keufs. Djibril, y'a les keufs. Faut qu'on bouge, y'a les keufs. Aucune idée. Ils ont pas les couilles. Ils retournent le ventre. Ouais, bouge, frère, j'ai la poubelle sur la gueule là. Oh là, tu veux pas mettre un casque? Bah, il veut pas, y'a la poubelle qui gêne. Ta moto, attends un peu et remets. Frère, avance, y'a la poubelle qui gêne. Vas-y, pourquoi il fait sa pucelle là? Qu'il donne rendez-vous, on veut juste lui parler, wesh. Ouais, de ouf. Ah, ouais, frère, tu veux discuter tranquille au calme. Ouais, du coup, ça fait quoi là, du coup? On se capte pas, tu veux faire quoi? Parce que nous, on a peut-être des trucs à te proposer, hein. Donc, Waouh, j'ai reçu 10$, merci l'État. Ouais. Ah, message, papy. Je suis derrière le comico, sorti de derrière, j'ai peur. Ouais. Ouais, t'as peur. Viens, on va chez papy tous les deux. Qu'est-ce qu'il fait défoncer par les flics? Bah, si tu veux, on organise une rencontre. Ouais, je l'ai déjà emmené, je crois. Ah, il l'a pris déjà, je suis con quoi. Ouais, vous êtes où? Ouais, c'est bon, j'ai ton ami là sur ma moto. Ouais, bah oui, j'ai vu ça. Donc, toi, t'es en fait. Il m'appelle et c'est toi qui le prends quoi en fait. Ouais, je t'ai donné le taxi ou quoi toi? Frère, je me suis arrêté à côté et il s'est monté instant. Vas-y, go parking central. Vite, tout de suite. Ça sert à quoi que je me déplace dans ce cas-là, wesh? Bon, viens, on va chercher, tu sais qui? Ah ouais. Oula. Il est où l'autre? Ah mon jeune. Ah, il est là. Ouais, je suis papy, ça va ou quoi? Ah non, ça va pas trop. Vas-y, monte dans la voiture. Ah merci mon jeune. Regarde ça, j'emboîte. On va y aller. Ah. Ouais, je vois ça, ça boit au calme. Ou alors papy raconte. Ah bon, bah écoute, j'ai voulu faire un peu de la beuh pour me faire de l'argent comme vous quoi. Ouais. Et le problème c'est que on était en train de tourner parce qu'on cherchait un traitement. Et d'accord. Puis notre véhicule est tombé en panne. Alors on est resté une heure à attendre le dépanneur et il y a la police qui est arrivée. On sait pas pourquoi, ils nous ont demandé si tout allait bien et tout. Et ils nous ont dit bon maintenant vous vous taisez et on va vous fouiller. Et du coup, moi, j'ai pas voulu parce que j'avais de la beuh sur moi, quoi. Mais j'ai pas été violent, rien du tout. Alors, ils ont dit, bah, rien à foutre. C'est soit vous ouvrez la voiture, soit on vous casse la gueule et en plus, on vous prend le véhicule. Alors, moi, j'ai refusé, tu sais, j'ai un mauvais caractère, quand même. Ouais, bah oui, je vois ça. Les résultats des courses. Ouais, mais du coup, quand même, pour un papy, ils sont allés un peu fort, quand même. Bah ouais, ils m'ont menacé avec des coups de tonfa et tout. Ouais, sors, papy, sors. C'est que casser ce véhicule. Ouais. Et du coup, tu voulais me poser une question ou pas? Oui, j'ai reçu quelque chose par rapport à toi l'autre jour. Ouais? Quelqu'un qui t'en voulait, je pense. D'accord. Qui ça? C'est tout simple. Je sais pas. J'ai qu'un numéro de téléphone actuellement. Attends, t'as le numéro du mec qui m'en veut? Oui. Vas-y, oui, donne-moi son numéro de téléphone. Donne-moi son numéro de téléphone. Alors. Il m'a menacé ce mec-là là? Il m'a dit, c'est simple, il me faut le numéro de DiCaprio. Ouais. Sinon, sa bande et lui, je vais leur passer dessus. Et il y a un mec de la Black Market qui va débarquer chez vous, il va tous vous fusiller. Ouais, ok, vas-y, donne-moi son numéro à ce con là. 213. Ouais. Ok, d'accord, c'est noté. Donc t'as pas le nom? Ah non, j'ai vraiment pas de nom par contre. J'ai rien du tout au niveau. Ok, ça marche. Djibril, je suis quand même un. Ouais. T'as le nom du. Tu sais, de l'ambulancier de la ville là?
T'as, t'as son numéro ou pas? Lequel? Le... Makassi. Ouais. Tu l'as son numéro? Non, et prénom. T'as son numéro? Ouais, je l'ai. C'est quoi ça? Ça termine par quoi son numéro? 75 998. Ah, 998. Ah bah c'est bien ce numéro là. Ouais. Hein, c'est ce numéro là qui a appelé papy. Oh, ok. C'est lui qui nous a menacé. Ah. Bah. Ah. Oui. Ah, ah bah. Bah on va lui dire bonjour alors. Il est sympathique lui. Non, mais... c'est qui tu m'as dit? J'ai pas entendu. Toutes les 10 minutes. C'est Ethan. Ethan Masaki, c'est, ah. c'est ça correspond à ce numéro là, j'étais sûr. D'accord. Ethan Masaki. Ouais, il nous a menacé. Il m'appelait toutes les 10 minutes. Ouais, oh, les gars, c'est ça. Bah je sais pas, on va porter plainte auprès des flics, c'est tout. Il a pas harcelé que toi, papy. Hein. Il a harcelé beaucoup d'autres. Hein. Ouais, il a harcelé des meufs et tout. Il m'a appelé au moins 15 fois pour me menacer. Ah ouais, il est sérieux, lui. Alors que j'avais rien demandé. Oui. Vas-y. Bah écoute, papy, heureusement que t'es là. Hein. C'est vrai, t'es sérieux, mon jeune. Ça me fait plaisir, voilà. Du coup, tu veux que je te dépose quelque part? Merci. Bah écoute, moi, il y a pas mon petit fils et moi. Je vais vous dire, on est un peu dans le caca. Ouais. Parce que on en veut beaucoup aux policiers. Ils m'ont fait beaucoup de mal. Et je leur dois beaucoup d'argent, en fait. Papy, j'avais une question à te poser. Tu vois, les mecs étaient rentrés dans le magasin de vêtements, là. Un mec qui boitait avec une queue de cheval et un autre un peu basané. Oui. Tu les connais? Oui. Vas-y, dis-moi en plus. Je suis resté 2-3 fois avec eux. Ouais. J'ai quelques noms, mais ils ont essayé de me la mettre à l'envers. Ah ouais? Mais c'est hyper mal, en plus, hein. Vous avez vu? Ouais. Ils s'appellent comment? C'est quoi leur nom, là? Alors, il y en a un qui s'appelle Kyle. C'est lequel? C'est le basané sur la moto? Kyle. Oui, c'est ça, c'est le basané sur la moto. Ouais, et l'autre? Il s'appelle Kyle. Alors, c'était un surnom. On disait qu'il s'appelait Momo. Momo? D'accord. Oui, Momo. Ok, ok. T'as pas des numéros? Le Kyle, alors non, le Momo, il était gentil, mais le Kyle, il a essayé de me la mettre à l'envers. Comment il a essayé de te la mettre à l'envers? Eh ben, en fait, ça devait être quelqu'un avec qui on devait travailler pour faire de la beuh. Ouais. Et le problème, c'est qu'il a dit que j'étais trop vieux et que j'étais trop con pour faire de la beuh. Ah ouais, mais... En fait, mais pourquoi tu veux travailler absolument dans la beuh, papy? T'es proche de la retraite, qu'est-ce qui se passe? Ça que je comprends pas. Ouais, arrête. Parce que je dois beaucoup d'argent aux fédéraux. Bah, tu sais quoi, papy? Là, en ce moment, il y a un mec qui est recherché par les flics qui s'appelle Doumé. Et apparemment, si t'arrives à le capturer, bah tu peux, à mon avis, gagner un petit peu d'argent quoi, auprès des flics. Non, ça va. Moi, j'aime pas du tout la police, vraiment. J'ai horreur elle aussi, elle t'aime pas, je crois. Je ne les supporte pas. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est juste travailler avec des gens pour qu'on puisse faire un peu de trafic et se faire de l'argent. juste un peu de trafic, quoi. Juste, pas beaucoup, hein. Attention, t'es pas dépassé la limite. Oui. Vas-y, viens, papy, monte. Parce qu'en fait, moi... Ah ouais, parce que moi ce que je voudrais, c'est avoir de l'argent pour m'acheter des grosses voitures. J'en ai jamais eu de ma vie. Ah bah je comprends, c'est un rêve, c'est respectable. C'est respectable. Vous voulez qu'on aille où? Attends mais du coup, papy, on va te déposer au parking, ok? D'accord. Et merci encore pour ces infos, hein, c'était cool. Ah de rien mon jeune. Et si jamais, là j'ai vu qu'il y avait un petit jeune qui faisait un peu, qui vendait, si jamais je pouvais travailler avec lui pour faire quelques petits allers-retours, il y aurait rien de mieux pour me combler. Vas-y, ça marche. Ok, bah écoute, bon courage pour ton business. Il y a les keufs. Ah ouais. Il y a les keufs, attends, j'ai fermé. Il y a les handdecks. Ouais. J'aurais juste une question, les oui, jeunes. Si vous vraiment pour m'aider, est-ce que vous savez où se trouve? Parce que je connais que un champ et je connais que deux traitements. Est-ce que vous savez où est-ce que je pourrais trouver les deux autres champs et le dernier traitement? Il y a un traitement au niveau d'un phare et un autre. Oui, c'est bon, celui-ci je le connais. Et t'en as un au nord de la ville, à côté du Comico. Hein. Comico au nord. Oui, ça aussi je le connais, mais des fois quand j'y vais aux deux... Il y a un traitement s'il est cul-nu là. Tu vois les mecs à poil là dans les montagnes. Ouais, dans leur maison il y en a un là. Au nord de la ville, en face du lac, du grand lac. Merci beaucoup les jeunes. Et les deux autres champs, je sais qu'il y en a un en dessous de machin à vin là, du truc agricole de mes couilles. Ouais. Il y en a au nord de la ville aussi. Il y en a un paléto. Où les plantations? Les flics arrivent. Dans les cerfs. Il y a Barthez. S'en bat les couilles. Hein. Ah ouais, attention. Attention, il y a police. Ouais, bah en tout cas, franchement. Mais du coup, pour la retraite, papy, tu vas faire comment du coup pour la retraite? Ah ouais, faut. Je pense que je vais me rediriger vers ta retraite. Parce qu'à ton âge. Vers le taxi, je malade. Bonjour, messieurs. Bonjour. On va juste procéder à un contrôle d'identité basique. Ah! On a la recherche d'une personne et tout simplement. Ah ouais. Pas de soucis. Oh, mais ils ont rien demandé, messieurs. Non, s'il vous plaît. Non, ils ont pas de soucis, on vous dérange pas plus, on fait vite et on repart. Tenez. Moi, je vais faire merci, ma carte. Merci, monsieur. Monsieur l'agent, je pourrais avoir votre carte d'identité, s'il vous plaît. Merci. Vous avez vu qu'on procédait à un contrôle? Bah, je vais bien voir votre carte d'identité. Ah, moi, vous me connaissez de toute façon. Ah, oui, je vous connais. Et vous, vous avez changé de coupe, non?
Bon gosse, j'aime bien toi, œil de lynx. Ouais, bah oui. Et c'est le meilleur lui, c'est le meilleur flic de la ville. Attendez. Monsieur Prio. Parfait. Bah, on... Encore... Toujours rasé sur les côtés. Eh, hey, attendez, attendez, ne me dites pas que vous cherchez Doumé. Non. Ah oh là 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 là. Négatif. Voilà, vous, ouais, vous savez pas mentir. Vous savez pas mentir. Vous savez pas comment vous agréez à 1000 km. Pourquoi vous dites ça? Bah, je sais pas, pourquoi vous nous contrôlez dans ce cas-là? Parce que vous cherchez quelqu'un. Vous venez de le dire, vous auriez des infos sur Doumé. Moté, c'est bouche cousue. Ouais, on a rien du tout. Bah non, on a rien du tout, on le connaît même pas, wesh. Ouais. On sait même pas qui c'est. Mais non, c'est des jeunes. Des primes, hein, si vous nous donnez des infos. Ouais, mais la prime, elle est de combien aussi? Ouais. Ah bah, ça dépend de l'utilité. Parce de que si c'est 500 dollars, franchement, autant aller faire la pute, hein. Ah ouais, autant acheter un paquet de chips. Mais papy, il a des infos. Papy, il a des infos sur Doumé. Il va le pécho ce soir. Ouais, même Barthez. Il est chaud, papy. Ah ouais. Il est chaud. Il a dit qu'il va ligoter comme un saucisson, il va le balancer devant le comico au calme. Il s'est pris pour Batman. Ah ouais. T'as un cowboy. Papy. Fini million. Ah ouais. Eh, monsieur les agents, je pourrais faire un tour avec votre voiture, s'il vous plaît? C'est pour tester les suspensions. Mais moi, tu sais ce que je voulais faire? Je voulais qu'on fasse une journée de stage pour voir comment ça se passait avec les flics. Ah ouais, initiation. Dis non. Voilà, ouais, journée d'initiation. Il faut un casier vierge. Un tour dans la voiture. Comme dans l'émission là. Faites une petite infraction. Un jour dans ma vie. Faites une infraction, on vous emmène au poste. On fait un jour dans ma vie. Ok, mais je veux pas qu'on m'emmène moi au poste, je veux qu'on emmène des gens au poste. Ah, bah non. Moi je vais être stagiaire. Je pas comme ça. Ouais, en direct du terre-terre avec les flics, avec mes deux poteaux sûrs. Ouais, attends, je prendrai Snap. Oh là là. Ouais, bougez bon, pas allez, les mecs, messieurs. C'était un snap. Ça fait fuir. Au revoir messieurs, bonne journée. Ah ils aiment pas les caméras, c'est pour ça. Bonne journée, soirée, si vous voulez. Ouais, en tout cas pour la retraite, ouais, je pense que je vais faire taxi ou quelque chose comme ça. Voilà. Attendez messieurs. Voilà, avec les condés. Allez, bâtard. C'est bon, ils sont partis. Ouais, vers la ferme. D'accord. Dans la montagne de Labo, t'en as un. Dans la montagne de Labo, t'en as un. Quoi? Ouais, Labo Human. La quoi? Ouais, Camille m'appelle. Eh les gars, Camille m'appelle. C'est ma meuf. Ouais, Camille. À droite de la ville. Et bonjour, Nick. Ouais, ça va quoi? Et toi? Ouais, ça va, tranquille. Et je voulais savoir, vous faites quelque chose de spécial ou balader ou je sais pas. Là, ouais, on fait un petit peu quelque chose de spécial. Là, on va travailler. On va livrer des pizzas. Livrer des pizzas? Ouais. Ah. Du coup, le doc, il est là ou pas? Non, toujours pas. C'est calme. Je voulais prendre une fin de service. Moi, c'est la possibilité de faire un truc. Là, il y a les flics qui nous ont contrôlés parce qu'ils recherchent un mec qui s'appelle Doumé. Il est recherché par les flics. Et du coup, bah si tu le vois en ville, parce qu'actuellement il est en ville, essaye de nous prévenir. Genre, par exemple, s'il l'appelle pour un commun ou un truc comme ça, essaye de relever son identité et de prévenir s'il est là ou quoi. Ça marche. Je vais agir tout ça. Vas-y, ça marche. Nous, sinon, on est au parking là, on va bouger, mais sinon, les flics. Il y a masse de flics, hein. Puis ils sont énervés, les flics, hein. Ouais, oh là là. Attends, il y a des mecs là, je te rappelle. Enfin, dis-moi, on essaye. Wesh, les mecs! Ouais, ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Ouais, très bien. Ouais, c'est quoi vos petits noms là? Bah, voici Thomas, mon petit-fils. Thomas, mon gars sûr! Thomas, mon gars sûr! Ça va ou quoi, Thomas? Ouais, nickel. Tape-moi en 5, mon gars sûr! Ouais, Thomas. Allez, fais pas timide! Ouais, tape-moi en 5, bien joué! T'es là! Bien joué! Salut, un peu. Et toi, c'est quoi ton petit nom, toi? Bah, ouais. Moi, c'est Théoram. Théoram? Pardon. Bon, en tout cas, Théorame. Merci les gens pour toutes ces informations. Bah, je t'en prie, papy, tu fais quoi dans la vie, Théoram? Là, moi je fais rien pour l'instant. Ah ouais, parce qu'il est chômage. Si jamais vous cherchez du monde. C'est un peu la dèche, tu vois. Ouais, je vois ça. Vous m'appelez tout de suite. Et vous, c'est quoi vos prénoms du coup? Avec mon petit fils. Ouais, pas de soucis, on va faire ça. Ah, ton mère, pas de. C'est quoi vos prénoms du coup? Shafter V12. Tranquille. Les gars, on bouge, on s'arrache. Tranquille. Eh, c'est pas moi, c'est pas moi qui recherchais. Monsieur, merci mon jeune. Ah ouais, c'est pas moi, bah nickel. On se rappelle les jeunes, on se rappelle. Allez, papy, des bisous. Et fais attention sur la retraite. Eh, c'est quoi Shafter V12, je sais pas quoi là? Shafter V12. Ouais, c'est quoi? Comment dire, une sorte de véhicule 4 places comme ça, tu vois, un peu luxe comme ça, tu vois. Ok, hey, et là c'est rapide. Ok, Camille m'a dit qu'il y a un truc qui traîne avec des mecs armés à l'intérieur. Attends, je te lis le message. Attention, Shafter V12, genre armé qui se promène près du parking central ou dans la ville, faites gaffe à vous les gars. Kiss. Il y a des trucs armés qui se baladent dans son moment, frère. Ça, c'est genre de véhicule qui ont quand même, on dirait, un diamant là, comme un signe à l'avant du véhicule. Ah ouais, bah écoute, en ce moment même, il se balade en ville, frère. Donc faire gaffe. On est à côté du parking gros. Enfin, attends, si tu veux une Shafter V12, fais très attention. Mais Doumé, il a des nouvelles de lui par rapport à rendez-vous de ça ou? Des nouvelles de Doumé, Djibril? C'est pas frère. Il a dit non. Vas-y. Attends, je vais l'appeler. Ouais, c'est pas frère. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'il te craint pour aucune raison, frère. Je vais juste parler. Mais je vais l'appeler. Allô? Oh là là. Wesh, Doumé! Ça va ou quoi? Ah, ça va. Ouais, on a croisé les flics là au parking central, ils te cherchent. Hein. Ah ouais, bah, je me doute qu'ils me cherchent. Et y a... ah, là, j'ai un joli visuel sur eux d'ailleurs. Ah ouais?
Beau gosse. Du coup, tu veux qu'on scope ou pas? Juste pour que ça se... Oui, oui, je suis juste en train d'organiser ça. J'attends juste que quelqu'un sorte de la rocade. Là, il est bloqué dans les embouteillages. Ah, ok, ok. Non, mais tranquille, si on se voit, il y a juste moi et toi. Il n'y aura pas, au pire, si t'as peur. Disons que pour ma sécurité, je préfère avoir des hommes avec moi. Ah, je comprends, mais tranquille, on va juste se voir, on va juste papoter, il y aura pas d'embrouille. Ouais, mais bon, comme j'ai dit à ton collègue Djibril, monsieur Dick a une réputation en ville, et disons que c'est pas forcément dans le non. sens où... Mais la réputation, elle n'est pas fondée. Écoute, viens, on se donne rendez-vous maintenant, puis on se capte, on se parle. Arrête de faire le mec, ouais, je sais pas, c'est bon, on va juste parler, tranquille. Ah, je fais pas le mec, je suis juste un mec recherché, donc excuse-moi mais de frère, prendre mes précautions. Ça fait 6 mois que je suis recherché, je vis bien, je dors sur mes deux oreilles, arrête de faire ta flippette, wesh. Ça se voit que t'es novice dans le milieu, je vais t'apprendre les petites ficelles du métier, t'inquiète pas, bibi. T'inquiète pas, j'ai rien à apprendre. Bon, bah écoute, bah tant mieux alors, bah du coup, on peut se voir alors, ça rien à apprendre, tu connais ton métier. Tout à fait. C'est quoi les boys? Bon, je t'envoie la position dès que j'ai fini d'organiser la rencontre. Vas-y, ça marche, allez, bisous. On va juste parler, frère. Vas-y, frère, il attend. Il m'a dit, en gros, en fait, là, il est tout seul. Il attend que ses potes arrivent pour qu'on se capte. Il y a même pas de prime sur sa tête, frère. Ben ouais, y a rien. Voilà, je sais pas, frère. Juste rechercher. Voilà, le pire, je veux juste lui parler, frère. Oh là, je veux rien faire. Il m'a dit, non, mais dit qu'après, il a une réputation. Je dis, ouais, mais elle est pas fondée, tu vois, la réputation, tu vois. Ouais, j'ai beau véhicule ou quel. Eh ben, mon vieux. Voilà. Mais frère, Ethan, c'est pas celui qu'on a amené dans la grotte? Mais bien sûr que si, frère, je faisais semblant, je faisais style, ouais, on va dire bonjour. Il est pas mort? Hein? Bah si. Comment ça, il est pas mort, ouais? Il était mort, moi. Mais il est mort! Mais non, mais c'était avant! Bien sûr que si. C'était avant! Ah! Djibril, il est mort ou pas? Parce que tu sais ce que tu racontes, Djibril? Bah, moi, je vous dis qu'il est mort. Rip Ethan, ouais. Ah, ok. On va se faire contrôler. C'est mon chapeau de cowboy. Excusez le dérangement, nous avons l'obligation de toute cardinalité sur le. Oh non, on a excusé, frère! Dis-le, bats les couilles! Mais t'as pas peur, toi? Bah, frère, on s'en bat les couilles, c'est bon, carte d'identité, c'est bon. Vas-y, on est sans papier. Je te parle du fait qu'on est sur l'autoroute en sens inverse. Bats les couilles! C'est bon, t'es rassuré là? T'es sérieux là? T'es rassuré là? Comment ça? Comment? T'es rassuré là? Attends, deux secondes, c'est Jérémy Daring. Comment? Frère, on est sur l'autoroute, mais wesh! Ouais. Le flic qui nous dit que si nous dérangez, on fait en texte, ils en part. Il nous dit quoi? Dis les tweets sur nous, frère. Qui dit les tweets? Les flics, qui nous cherchent là. Ah, bah tant mieux, vas-y. Vas-y, merci. C'est pas moi qui conduis. Il est en train de courser. Ah ouais, bah dis-lui qu'il nous course. C'est pas moi qui conduis. Il est vers parking central. On repasse, gars. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y. On arrive, parking. Toi, ici à droite. Non, pas ici. On vu qu'on est passé par là. Waouh. Il y a une voiture de sport là-bas au niveau du feu rouge, t'as vu? Waouh, c'est doux. Tu vas voir. Peut-être c'est Doucet. Quoi? C'est Doumé. Ah ouais. Doumé. Non. Eh, il m'a dit qu'il avait un visuel sur parking central. Il m'a dit qu'il les voyait. Je pense qu'il va être sur un toit. Sur toi ici alors. Tu penses? Ah ouais. On teste, on regarde. Vas-y, hein. Fais le tour. Ça m'a fait peur, putain. Je pense que si moi il y a la suite, après ça va. Éteins tes feux. Toujours. C'est la discrétion. Eh frère, fais pas ce que tu penses, hein. Pas de bêtises, s'il te plaît. Yalla, mais c'est bien. Non. Voilà, tu m'as fait peur. Ouais, vas-y, saute la moto. Non, je remonte la moto, tu vas pas me baiser quoi la dernière fois. Tu vois, tu voulais te baiser tout seul. Tu vas m'abandonner. Ouais, mon cœur, comment il bat? Bah alors. Ouais. C'était juste, hein? Oh, rien, le véhicule vient de passer là tout à l'heure. Oh, les flics sont là. Viens. C'est sérieux. Viens, ça fait des fuck. Nique la police. Oh, votre haram. Tourne au parking. Alors, monte ici. Oh, je monte pas. Doucement, on va tomber. Oui. Vas-y, casse-toi, c'est bon. Easy. Nique la police. Oui. D'abord, c'est bon. Wesh. Voilà, ça va pas se passer comme ça.